plaisanterie. C'est pas une coupe suisse, c'est pas une coupe danoise, c'est pas une viennoiserie, c'est une confiserie. On casse des petits morceaux et on suce comme un bonbon. On ne se serre pas des dents pour déguster la coupe de vin. Il y avait la floche, on disait. Donc c'était le coup de feu, la floche, c'était donc les fêtes de fin d'année. On ne gagnait pas grand-chose pour beaucoup de travail. Le principe de l'assiette de Saint-Nicolas avec la coupe de Dinan ou la coupe de Rhin, ça, c'est fort périlleux. C'est de père en fils. Mon arrière-grand-père était probablement un premier ouvrier dans une famille qui n'avait pas d'enfants. Donc à ce moment-là, il a repris. C'était une maison, c'était la première maison donc, qui donne rue Grande, ici. Et après, il a acheté la deuxième maison derrière. Et la troisième maison, c'est l'atelier ici. Donc, automatiquement, il a grossi. Il ne faisait pas que des cooks. Il a eu trois filles, un fils, le plus jeune, Georges. Et il a repris le métier et il a continué. Le problème, ça a été évidemment la guerre 14. Il a eu six enfants aussi. Et c'est papa qui a repris dans les années 30, vers 35-36. Moi, je suis né en 45. Et dans une petite maison, il y avait un petit magasin. Et puis alors, moi, j'ai recommencé dans les années... avant les années 70, fin des années 60. Et voilà. Quatre enfants, Jean-Baptiste continue, il a des jumeaux. Et là, je ne connais pas la suite. Probablement, je ne le verrai pas. Mais les deux familles, il n'y a plus qu'ici, hein, ça, il n'y a pas de problème. Il y a encore quelques endroits où on fait des coupes, oui, c'est ça. Donc, vous vous trouvez ici dans l'atelier, l'atelier qu'on utilise tous les jours. Notre journée commence généralement vers 4-5 heures du matin. On commence par faire les pains, la boulangerie, et puis après, on passe à la pâtisserie. Et quand on termine par les coupes. Donc, les coupes de Dinan, j'ai gardé pour vous un boulet de pâte. Donc vous voyez, c'est une pâte qui est très ferme, qui est très lourde, très dure. Donc elle est uniquement composée de miel et de farine. Alors tout au long de la fabrication, je vais tout le temps fariner ma pâte. Parce que comme il n'y a que du miel et de la farine, le miel ça colle beaucoup. Et c'est pour ne pas que la pâte vienne coller tant au rouleau du laminoir que dans le moule quand on va imprimer tout à l'heure. Donc dans un premier temps, je vais aplatir la pâte avec le rouleau. Merci. Et ensuite, je vais passer la pâte dans le laminoir. Donc le laminoir, c'est une machine avec deux rouleaux en métal, comme celui-ci, que je vais faire tourner et la pâte va passer entre les deux rouleaux. Et au fur et à mesure qu'elle va passer, elle va devenir de plus en plus fine. Elle va revenir. Hein. Alors, une fois que j'ai mon épaisseur, je vais prendre un emporte-pièce. Et l'emporte-pièce, il correspond au moule que je vais imprimer. Et quand je vais découper, je vais essayer de faire le moins de déchets possible. Alors je vais imprimer. Alors chaque coupe, quand on va l'imprimer, on va le faire à la main. Mais pour chaque moule, ce sera une impression différente, parce qu'il faut pousser à des endroits différents. Voilà. Et alors la plupart des moules avec lesquels on travaille datent aussi du début du siècle dernier. À part, je vais dire... ici, justement, ici, ça, c'est un dernier moule. Bon, évidemment, il était mouillé, il était lavé. Ça, c'est un saxophone. Celui-là, il date de 2000. Et on voit que le travail au niveau du bois, c'est pas du tout la même chose. Avant, les gens qui gravaient les moules à coke, c'était des sculpteurs, des graveurs qui travaillaient pour l'imprimerie. Donc, habitués à imprimer et à graver à l'envers. Et alors, c'est un four qui fonctionne
comme le chauffage chez les Romains, donc par hypocauste. Donc c'est-à-dire qu'on a un feu, un foyer en dessous, et on a de l'air chaud qui va circuler entre les différents étages. Mon grand-père se souvient d'avoir vu qu'on construisait le four, mais était incapable de dire l'année, il était trop petit. Donc on pense qu'il a été fait vers 1908-1910. Pour qu'il soit chaud pour cuire, il lui faut 10 jours. Et pour qu'il soit froid, il en faut autant. Donc tout le temps, il est tout le temps en train de tourner. Donc ça, c'est une coupe qui est cuite. Et alors ce qui est différent par rapport à la pâte qui est là, c'est que c'est très dur. Donc quand on veut la manger, on doit casser des petits morceaux et sucer comme un bonbon. On ne peut pas croquer dedans, sinon ça, on se fait mal aux dents. Donc, voilà, exactement. Il ne faut pas faire ça. On ne fait pas une sorte pour toute l'année. On fait suivant ce qu'on vend, bien sûr. Mais pour les cooks, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que ça se conserve. Donc, vous pouvez stocker de la main-d'œuvre. Alors, dans l'histoire du four, il y a quelque chose de particulier aussi. Donc, vous savez, on a connu deux grandes guerres au siècle dernier. Et Dinan n'a pas été épargné. Et pendant la Première Guerre mondiale, tout Dinan a brûlé. Tout a été détruit. Mais le four, lui, il est resté en place. Là, vous voyez les découpoirs qui sont là. C'est un dinandier, ça c'est pour la petite histoire, Monsieur Bietlot, qui me les ressoudait quand j'avais des problèmes. Et quand je devais le payer, je le payais en coupe cassée. C'est un amateur. Et il mettait ses coupes dans le frigo pour qu'elles soient encore plus cassantes. Ça, c'est particulier. C'est surtout touristique, bien sûr. C'est un souvenir très particulier, même unique. Les Japonais sont friands. Il y en a moins, hein. Depuis quelques années, il y a moins de Japonais, mais ils sont friands des coupes de Dinan. Il y a deux acheteurs, je veux dire. Il y a le touriste, oui, mais qui va, mettons, acheter particulièrement une vue de Dinan, parce que ça permet de rapporter une carte postale de l'endroit où on a été, et en même temps de la déguster autour d'une tasse de café. Maintenant, il y a aussi des amateurs, donc une clientèle plus locale, de gens qui achètent des coupes, mais pour les manger uniquement. Donc eux vont avoir tendance à acheter les raisins, parce que ça se casse plus facilement, ou leur acheter les coupes cassées, puisqu'on vend aussi des coupes cassées. Quand on est maladroit et qu'on les range, ben on en casse, et donc celles-là, on les vend au poids à ce moment-là.